Salut à tous et à toutes, c'est Panif, comment allez-vous? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec ma cam, tout simplement. Et on va parler de plusieurs choses. Donc, tout d'abord, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière vidéo. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu différente. Je vais pas parler d'e-sport, je vais pas parler, enfin, un petit peu quand même. Je vais pas parler de l'actualité du roster, etc. Mais je vais parler tout simplement des armes, parce que il n'y a pas beaucoup d'armes sur ce jeu, mais il y a quand même une sacrée différence entre chacune des armes. Enfin, en même temps, elles sont quand même très, comment dire, équilibrées. Mais il y a quand même une sacrée différence et qui permettent de prendre l'avantage par rapport à certaines de la situation. Parce que je trouve assez intéressant, en tout cas dans ce jeu, comparé à un code, il suffit par exemple, c'est pas une UMP45, elle fait très bien l'air. J'exagère bien sûr, mais c'est pas faux, hein. C'est pas dire le contraire. Alors, tout d'abord, je vous présente un petit peu le gameplay. C'est un très très vieux gameplay, avant même que je fasse de l'e-sport. En fait, j'ai un peu cherché à trifouiller quel gameplay je pouvais prendre, et j'ai trouvé un gameplay qui est pas trop long, parce que sinon il y avait qui durait 15 minutes en CTF, qui était assez violent, mais voilà. Et puis j'utilise pas trop le titan, alors du coup ça fait un gameplay assez sympa. Et puis je fais au moins 3 cinquièmes des kills à faire, donc je pense que c'est plutôt un très bon gameplay, et qui est assez nerveux. Alors, tout d'abord, je vais vous parler simplement de la carabine. Je pense que vous savez, c'est là l'arme que j'utilise le plus, et que vous voyez tout le temps dans les gameplays. Donc, la carabine, tout simplement. Je vais vraiment vous parler des armes, pas une à une, mais qui sont intéressantes. C'est-à-dire, pour l'e-sport, déjà, la carabine, elle est utilisée à l'unanimité. Même des SMG players parfois avec la carabine, parce que c'est quand même des espaces qui sont assez grands sur Titanfall. Quand on joue sur les toits, etc., c'est vrai que la carabine, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Mais je vous ferai tout un récapitulatif de toutes les armes. Mais pour être honnête, je ne regarde pas du tout la puissance, enfin les stats qu'ils mettent sur le jeu. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt, honnêtement, parce que tout simplement, enfin, on peut pas vraiment voir ce qu'il y a. C'est vrai que la carabine, elle est vraiment pas du tout de recul, presque. On peut la comparer à une ACR, par exemple, dans MW2 ou même MW3, qui a vraiment pas beaucoup de recul, et puis qui est parfaite pour faire justement le boulot derrière. Elle est assez puissante. En fait, la clé pour bien utiliser cette arme, c'est de faire des petits à-coups, mais aussi, bien entendu, de tirer dans le haut de la tête. Ensuite, j'utilise personnellement plusieurs accessoires. Alors, il y a la. Souvent, j'aime bien switcher entre la VOC et le viseur métal, c'est-à-dire le viseur de base, parce que tout simplement, c'est. Avec le viseur métal, on peut viser beaucoup plus près. Enfin, j'ai l'impression d'être un peu en mode combat rapproché avec le viseur métal et avec la carabine, alors que voilà. Et puis en même temps, on peut tirer de loin, et la VOC, c'est vraiment, ça permet d'augmenter un peu la portée, d'être un peu plus précis de loin, et je trouve ça assez sympa. Et bien entendu, je suis dedans en chargeur. Le silencieux est autorisé en e-sport, mais bon, je trouve que c'est un peu fufux, et bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je pense que c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur cette arme. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une THE arme à utiliser. Elle est pas très compliquée à apprendre, mais une fois qu'elle est totalement maîtrisée, en plus, ça peut faire super mal. Bien entendu, c'est à utiliser vraiment sur des endroits, sur les toits. Il faut se déplacer de toit en toit, puis se tirer sur les gens comme ça, puis pas essayer de trop aller en combat rapproché, même si ça se débrouille. Ensuite, il y a la mitraillette SAER, que j'apprécie bien, surtout avec son accessoire contrepoids. Contrepoids, c'est un peu visée solide de Call of Duty. Donc ça permet, en fait, tout simplement de faire des tirs au jugé qui sont beaucoup plus précis. Et donc, pour tout ce qui est en domination, surtout, c'est vrai que la carabine, enfin, j'ai Luxus, par exemple, en domination, j'utilise souvent la mitraillette, c'est le deuxième player en équipe. J'utilise beaucoup de la mitraillette, et puis il va dans le point B, et puis il fait
le boulot intérieur du plan B. Alors que moi, plutôt, je serais avec la carabine et que je suis extérieur, j'empêche les gens de s'approcher du plan B. Et en CTF, par contre, lui, il prend aussi la carabine et vous faites tous les deux le taf de spawn kill pour empêcher les gens de s'approcher de leur drapeau et de laisser le front flag tranquille. Donc, la mitraillette, moi perso, je n'utilise pas tant que ça, sauf si vraiment je vois qu'il faut absolument faire des combats rapprochés. Je trouve, enfin, les avis diffèrent pas mal, mais je trouve qu'avec la vogue, ça permet d'augmenter un petit peu la portée de l'arme, parce qu'elle est vraiment pas très précise de loin, dès qu'on est un peu loin, on peut galérer un peu, mais elle est quand même, elle fait quand même un peu le taf, un peu le taf, je dirais un peu le taf. Là, je suis en train de regarder en même temps les classes, quand même, pour être sûr, pour pas me tromper de nom. Elle fait le taf, mais il n'y a pas à chier de près, elle a une cadence de tir qui est folle et une bonne puissance, donc elle peut faire très mal. Et il n'y a pas besoin forcément de se casser les couilles à viser super bien. Honnêtement, c'est plutôt chill à ce niveau-là. Ah, comme je l'ai dit, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire. Là, c'est vraiment plus du combat rapproché. On peut quand même se déplacer un peu de toi en toi, mais faut faire gaffe, on peut pas non plus faire des super longues portées, c'est plus moyenne portée, comme ils le disent d'ailleurs. Vraiment pour faire des nettoyages dans les bâtiments, elle fait bien le taf. Ensuite, il y a aussi la mitraillette R97 que j'ai mis personnellement dans mes classes. Alors, pour être honnête, au niveau nettoyer un point, elle n'est pas super utilisée parce qu'elle est vraiment de près. Très rapidement ses balles, mais je pense que pour nettoyer un point en B, il faudra que j'utilise un peu plus souvent ou que même un ami essaye un peu parce que ça fait le taf de malade. Je pense que c'est aussi puissant presque qu'un fusil à pompe, ça peut rivaliser avec. C'est une cadence qui est énorme. Il faut un peu plus de skill de près quand même pour l'utiliser, mais je pense que c'est pas super compliqué de faire des combats rapprochés avec et elle fait vraiment. Un boulot monstre, elle est vraiment violente pour nettoyer un point dans son ensemble, dans les bâtiments aussi. C'est un peu comme la CR, vous allez me dire, mais encore plus violente de près. Je pense que c'est la R97, il n'y aura pas de mal à voir la différence quand même. Si je regarde ça comme ça, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre parce que. De toute façon, les accessoires dessus, personnellement, j'essaie de les bloquer pour être honnête. Je préfère personnellement utiliser le grand chargeur parce que tir de suppression, dispersion, ça peut être encore plus violent, bien sûr, mais vous savez, je pense que c'est comme sur tous les jeux où il y a toujours la double cadence, l'arme devient tellement incontrôlable que c'est quand même assez galère et la cadence de tir est déjà de base tellement violente que je pense qu'il n'y a pas trop besoin. D'ailleurs, pour la mitraille CR, j'ai pas parlé des accessoires, enfin, si j'ai pas de contrepoids, mais contrepoids c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Je pense que le grand chargeur, on peut le laisser tomber. Et puis sinon, pour ce qui est du viseur, là honnêtement, que ce soit la VOC ou le viseur métal, ça n'a pas changé grand chose. Mais bien entendu, ça augmente un petit peu la portée, mais comme je l'ai dit, c'est tellement galère que honnêtement, c'est rien, et donc c'est pas forcément ce qui est le plus utile. Et bien entendu, le silencieux, ça a baissé la puissance, enfin, baissé toute la puissance de l'arme, plus encore sa précision, son recul, ça a pas beaucoup d'intérêt. Donc vraiment, je pense que le grand chargeur là pour cette arme, c'est comme la carabine, y a pas à se casser la tête mille ans, c'est le grand chargeur. Bon, il y a pas mal d'autres. Ça, c'est vraiment les trois armes qui sont à utiliser, je pense, en esport. Ou si on veut faire des bons gameplays. Après, bien entendu, le fusil à pompe, il est interdit en TF esport. Il est autorisé en MLG et puis ESL. Dans ESL, c'est un fusil à pompe par équipe, je crois. Je sais pas s'ils ont changé ça. Bien entendu, c'est un fusil à pompe. De près, ça fait vraiment son taf, c'est assez violent. Vous pouvez one shot si vous visez bien. Et puis suffit d'avoir un bon déplacement. Et vous pouvez faire des scores de malade pour le Gen 2, je crois. J'ai dû jouer avec et c'était assez un carnage.
Bien entendu, dès que vous êtes un peu loin, c'est un peu comme un fusil à pompe de Battlefield. Vous touchez gars, mais ça ne fait pas beaucoup de dégâts, donc pourquoi ne pas l'allier avec un bon flingue? Et puis sinon, si je regarde les autres, c'est vrai que la M-Lock c'est un peu une rafale, mais ça intéresse pas mal de gens. Moi j'aime pas trop, la Mitrailleuse Spitfire, voilà quoi. On va pas parler du LMG. Puis le Smart Gun c'est un flingue pour noob, j'ai envie de dire, un peu, genre, vous savez pas viser, bah, utilisez ça, comme ça, pour porter, pareil, pas beaucoup d'intérêt. J'ai vite fait parler des armes de poing. Alors moi, je pense que vous avez remarqué, j'adore le Wingman, parce que ça me fait penser un peu aux Desert Eagles de Code 4, ou même au 44 Magnum de W2. Il est vraiment violent. Il enlève à peu près 67% de vie, si vous tirez dans le haut du corps, et one shot dans la tête. Honnêtement, quand on est en e-sport, on blesse un gars, et puis après on a plus de balles, ça permet de faire bien le taf. Un noscope en plus, il est précis. Et c'est juste qu'il n'a pas beaucoup de cadence. Mais franchement, il est pas mal. Alors là, ça fait un petit kill en plus, deux petits kills en plus pour l'épilogue. Le Hammond P2011, il est assez intéressant, je pense, avec une scuff et des trigger stomp, mais je suis pas super fan. Ça fait 4 kills. Mais honnêtement, c'est surtout hop, 5 kills, 6 kills, et je suis buté. Mais honnêtement, je pense que il y a aussi le RE45 que beaucoup de gens utilisent en e-sport parce que ça permet de bien finir aussi un ennemi. C'est pas mal, mais je trouve que c'est bien pour finir un ennemi, mais pour en finir deux, c'est un peu galère. Enfin, peut-être que j'essaye un peu plus aussi, parce que voilà, mais le Wingman, c'est vraiment mon flingue préféré. Bien entendu, il n'y a pas d'accessoires sur ces armes secondaires, mais je pense que j'ai tout dit là-dessus. Honnêtement, Wingman, all the way pour les secondaires, et le RE45 quand même est très apprécié. Moi, sur ce, bah, j'espère que vous aurez passé une bonne vidéo en ma compagnie, que vous aurez aimé un petit peu toutes mes explications, mes conseils un petit peu, et puis j'espère que ça vous aidera simplement à faire de meilleurs gameplays. Pourquoi pas à vous lancer en e-sport. Moi, en tout cas, j'espère que vous passerez une bonne soirée, une bonne journée, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur Facebook, pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos, ou même de live, car je fais pas mal de live en team scrim et puis en tournoi. Et puis tout simplement, je vous dis à la prochaine. Jusque-là, portez-vous bien. Ciao, ciao.